طلعي بس على الكاميرا. على الكاميرا. ايش اسمك؟ ام وحيد. فهميه يعني اسمي ام وحيد. لما تطلع على الكاميرا. على الكاميرا، لازم تطلع على الكاميرا. قديش عمرك؟ عمري 90. مين جوزك؟ جوز عبد الحليم الله يرحمه. شو كان يشتغل؟ فخار. وولاده كم فخار. واحد؟ فخار، 7 اولاد فخار، هم واولادهم. تمام. À Hébron, on ne choisit pas d'être potier. On l'est de père en fils depuis des générations. Mais au cours de ces dernières décennies, beaucoup d'entre eux ont quitté le métier, alors même que la production s'est diversifiée et que les commandes affluent. Au début des années 70, on comptait encore 7 familles. Depuis, elles ne sont plus que 4. La profession est de moins en moins viable, en raison de la fiscalité locale et des problèmes de transport entre les territoires palestiniens et Israël. Et la jeune génération, elle, rêve de meilleurs salaires. Les potiers qui restent maintiennent un savoir-faire pluriséculaire dont témoignent les poteries ottomanes du XVIe siècle. L'organisation familiale est pour beaucoup dans la transmission des gestes ancestraux à travers le temps. C'est en effet en conservant le métier au sein de familles élargies, regroupant pères et fils mariés ou célibataires, que ce métier s'est soustrait au tumulte d'une histoire ponctuée ces deux derniers siècles de nombreux épisodes guerriers. En 2019, les 4 familles de potiers d'Hébron regroupent environ une cinquantaine de personnes de plusieurs générations. Ils portent tous le même nom de famille, Al-Fakouri, qui veut dire potier. أنا عبد السلام الفاخوري من الخليل، أعمل في صناعة الفخار تقريباً من 30 عام من مدينة الخليل. اسمي أحمد الفاخوري، عمري 27 سنة من مدينة الخليل، أعمل في صناعة الفخار منذ 17 عام. أنا حماد الفاخوري، بشتغل في مصنع فخار إلي 25 سنة، عمري 36 سنة و25 سنة إلي بشتغل فيها، وتعلمت من أنا عمري 10 سنين. عن أبي وجدي. اسمي هشام الفاخوري، عمري 49 سنة وإلي 44 سنة بشتغل في هالشغلة. اسمي حسين الفاخوري، عمري 58 سنة، إلي 35 سنة في الشغلة هذه. اسمي محي الفاخوري، عمري 25 سنة، إلي 15 سنة بشتغل في هالشغلة والحمد لله رب العالمين. أنا شاكر نعيم الفاخوري، عمري 47 سنة، صار لي 30 سنة بشتغل في شغلة الفخار. أنا اسمي علان الفاخوري، طبعا من الخليل، وإلي حوالي هون يمكن 20 سنة بنشتغل في المصنع هذا، في مصنع الفخار. اسمي محمد صلاح الفاخوري، وعمري 25، وإلي بشتغل بالفخار حوالي 10 سنين. اسمي حلم الفاخوري، وصار لي 10 سنين بشتغل مع أبي بالمحل هذا. I'm شكري الفاخوري. I'm 47 years old. I work in this job, pottery making, since about 20 years ago. Les familles sont installées sur des parcelles voisines les unes des autres, distantes au plus de quelques centaines de mètres. Elles ont été achetées dans les années 60 à Alfar, une zone industrielle située à 2 km au sud du vieux Hébron. C'est là que se trouve le tombeau des patriarches et que se trouvait la maison familiale des potiers, le Hoche. Autour de la cour centrale, les appartements occupaient le premier étage, les ateliers le rez-de-chaussée.
Les potiers n'ont pas pu rester dans le centre d'Hébron, car pour cuire leur peau, ils ont remplacé leur combustible traditionnel, fait de bois et de noyaux d'olive, par de vieux pneus. Il faut dire que les fours étaient situés à côté des maisons. Ils s'en dégageaient une fumée noire, épaisse, terriblement polluante. Dès lors, en accord avec la municipalité, les potiers acceptèrent de se déplacer au sud de la ville. À l'époque, c'était un endroit inhabité où la terre était bon marché. On y cultivait des légumes et des fruits renommés et appréciés dans toute la région. Depuis, l'environnement a bien changé. Une zone industrielle s'est développée et l'air s'est épaissi de la poussière blanche des usines de pierre. C'est désormais dans un environnement pollué et sonore que travaillent les potiers d'Hébron, exclusivement des hommes. Les femmes et les enfants, qui au début habitaient dans les appartements situés au-dessus des ateliers, sont retournés en ville, se retrouvant dispersés dans différents quartiers. Dans cet environnement de travail, chaque parcelle familiale comprend plusieurs ateliers. Ils ont été créés au fur et à mesure que les fils se mariaient et devenaient responsables de leur production. Chaque atelier est en charge de l'ensemble du processus de fabrication des peaux, et c'est au sein de chacun d'eux que le métier de potier s'apprend dès le plus jeune âge. Car tous les fils de potiers sont exposés très jeunes aux différentes activités de l'atelier. Ils y viennent après l'école et pendant les vacances. Ils aident à manipuler les peaux, que ce soit pour le séchage, le chargement et le déchargement des fours. Ils aident aussi à préparer l'argile et peuvent même s'exercer au tournage sur les tours laissés libres par leurs parents. Certains décident d'arrêter l'école dès l'âge de 13-14 ans pour travailler à plein temps. Il faut noter que la génération précédente commençait le métier vers 8-10 ans. Wahed, aujourd'hui 72 ans, a commencé à tourner à l'âge de 11 ans. Ses plus jeunes frères s'occupaient alors de lui apporter les mottes d'argile. Dès l'âge de 15 ans, il était responsable des cuissons. Et à 17 ans, il savait déjà tourner toutes les formes de récipients de toutes dimensions. Comme dit Wahed, un bon potier est celui qui prépare bien l'argile et qui est capable de tourner n'importe quelle forme, de n'importe quelle taille, en gardant les bonnes proportions. Préparer l'argile est de loin l'étape la plus longue du processus de fabrication. Elle se déroule entre avril et octobre, les mois les plus chauds, pendant lesquels l'argile sèche rapidement. Bien préparer la terre, c'est ajuster les proportions entre la jaune et la rouge, deux argiles extraites dans la région et dont les propriétés sont complémentaires. Du sable est également rajouté, qui permet à la pâte argileuse de résister aux températures élevées de cuisson. Aucun tamisage de l'argile n'est effectué. Les deux types d'argile et le sable sont tout d'abord mélangés à de l'eau dans des mixeurs électriques pendant environ une heure. L'objectif est de liquéfier les argiles et de dégager les plus grosses inclusions qui seront retirées à la main une fois le mixeur vidé. L'époque où cette activité était réalisée au pied n'est pas si loin. Les bacs de mixage sont toujours là pour en témoigner. Ils sont adjacents aux bacs de trempage et servent actuellement de réservoir dans lequel se déverse le trop-plein d'eau du bac de trempage. Cette eau est ensuite pompée et reversée dans le mixeur électrique. Il faut plus d'une dizaine de mixeurs pour remplir un bac de trempage dont les dimensions varient d'une famille à l'autre. Un tuyau relie ces deux installations. Une fois l'orifice du mixeur ouvert, le liquide argileux s'engouffre dans le tuyau et se répand dans le bac de trempage après avoir traversé les mailles d'un tamis en nylon.
Le liquide argileux y reste plusieurs jours. Le temps nécessaire au processus d'hydratation des particules argileuses, des plus grossières aux plus fines. L'eau de surface est pompée au fil du remplissage. Le sol du bac de trempage est en pente. Il favorise ainsi l'écoulement de l'argile dans le bac de séchage situé juste en dessous. Celui-ci est saupoudré d'une fine couche de sable pour éviter à l'argile d'adhérer au sol. Au cours du processus d'hydratation, les particules les plus lourdes se déposent au fond du bac de trempage. Avant le déversement du liquide argileux dans le bac de séchage, celui-ci est alors homogénéisé énergiquement. Le liquide argileux va se répandre sur environ 30 cm d'épaisseur. Il faut plusieurs jours pour que l'argile devienne solide et soit transportée à l'atelier sous forme de bloc. Avant son utilisation, l'argile est malaxée afin d'évacuer les vides et répartir de manière uniforme les inclusions grossières. À ce moment du malaxage, du sable peut être rajouté. Le sable est mélangé avec du sel, qui donnera au pot une couleur blanche au cours de la cuisson. De nos jours, l'opération de malaxage est entièrement mécanisée et réalisée avec une boudineuse. L'argile est extrudée sous forme d'un cylindre que le potier coupe environ tous les 80 cm. Chaque cylindre est malaxé plusieurs fois. Les potiers consacrent chaque jour plusieurs heures au malaxage. La tâche la plus difficile à maîtriser, où se joue la très grande expertise des potiers, est sans nul doute le tournage des pots.
la méthode est unique, pratiquée aussi en Égypte, mais nulle part ailleurs à notre connaissance. Elle consiste à tourner les récipients en plusieurs fois dans le but d'obtenir des parois fines, de la base à l'ouverture, sans besoin de les désépaissir ultérieurement, comme c'est couramment l'usage. Le principe général est de contourner les risques d'effondrement. Ces risques déterminent la méthode, qui est nommée par les potiers eux-mêmes, ébauchage par la base ou ébauchage par l'ouverture. Lorsque le diamètre maximum d'un récipient est situé dans la partie basse, ce qui est le cas des pots culinaires appelés foukara, alors le poids de la partie supérieure pèse dangereusement sur la partie basse, qui risque de s'effondrer lors du tournage. Pour éviter ce risque, les potiers commencent par l'ouverture et la partie supérieure du récipient. Une base est conservée, très épaisse. Elle constitue une réserve d'argile. Une fois tournée la partie supérieure du récipient, celui-ci est retiré du tour et mis à sécher. Le récipient est ensuite replacé sur le tour, tête en bas. La partie supérieure a durci, mais la base est restée suffisamment plastique pour être tournée. Le potier perce la base, qui est de plusieurs centimètres d'épaisseur. Il amincit ensuite progressivement les parois jusqu'à former une partie basse élargie et un fond arrondi. C'est le principe de contournement des risques d'effondrement qui justifie de terminer par le fond le façonnage des grandes jarres appelées jarras.
Ce principe de contournement des risques d'effondrement conduit les potiers à tourner également en dernière opération les bases plates des pots de fleurs, dont la forme est proche de la focara. ديمهم القوير هدلاك من جاي تخليهمش ليه القوير الصعب Si le diamètre maximum du récipient est situé dans sa partie médiane ou supérieure, les potiers commencent par la partie inférieure et la base. Après séchage de cette première ébauche, le récipient est replacé sur le tour dans un mandrin qui maintient la base. Le potier perce alors la masse laissée comme réserve d'argile, amincit les parois de la partie supérieure et façonne l'ouverture.
C'est toujours ce principe de contournement des risques d'effondrement qui conduit les potiers à tourner séparément toute partie du récipient qui ferait reposer un poids trop important sur la structure à tourner. Les méthodes de tournage pratiquées à Hébron nécessitent de travailler des pattes fermes en raison du séchage de la première ébauche. Elles impliquent aussi d'estimer à l'œil nu, sans aucun instrument de mesure, les diamètres des pièces à assembler. La maîtrise de ces méthodes témoigne d'habileté sensorimotrice exceptionnelle. L'ébauchage par la base vaut pour les petites pièces, comme les cruches, dont la forme est connue depuis le XVIe siècle. Une fois la base séchée, la cruche est repositionnée sur le tour dans un mandrin. Le col est façonné à partir du fond, puis détaché et mis de côté. Il sera ensuite replacé sur le corps de la cruche après que les parois ont été amincies et mises en forme.
Les récipients tournés sont mis à sécher pendant plusieurs jours. Au début à l'intérieur de l'atelier pour un séchage progressif, puis à l'extérieur, au soleil. Une fois secs, ils sont stockés à l'intérieur en attendant d'être cuits. La cuisson se fait dans des fours verticaux à tirage ascendant. La chambre de chauffe où sont empilés les pots est coiffée d'une coupole typique de l'architecture arabo-musulmane, très répandue pendant la période ottomane. La coupole présente une ouverture sommitale pour laisser passer la fumée. La chambre de combustion où se tient le feu est creusée dans le sol. Elle est oblongue, en forme de fer à cheval et voûtée. Le sommet de la voûte est ajouré et émerge dans la chambre de chauffe pour former la sole par laquelle passent les flammes et la chaleur. Les récipients sont empilés entre la sole, formée par ce dôme émergé, et les parois de la chambre de chauffe. Le four est chargé et déchargé par une porte latérale que l'on condamne pendant la cuisson. Le feu est alimenté progressivement avec des pneus de récupération. Les deux premières heures, lorsque les températures sont encore basses, l'ouverture sommitale de la coupole est maintenue fermée par des tôles ondulées. Puis, lorsque le feu est renforcé, l'ouverture est dégagée pour activer le tirage. Lorsque les flammes atteignent l'ouverture et s'en échappent, et que les poteries deviennent rouge vif, le signal est donné indiquant que les températures maximales ont été atteintes. Dès lors, l'alimentation du feu cesse. L'ouverture de la coupole est fermée, celle de la chambre de combustion également, à l'aide d'un fût en métal. Le four est ensuite laissé à lui-même toute la nuit. Le lendemain matin, la porte latérale est ouverte pour refroidir la chambre de chauffe. Le surlendemain, le déchargement commence. Les potiers produisent des pots utilitaires et décoratifs. Mais la demande pour les pots utilitaires est en forte diminution et s'est concentrée sur quelques types seulement. Elle se limite aux cruches et aux jarres à eau, connues pour leur capacité à garder l'eau fraîche, et aux pots de cuisson, les fokara, encore utilisés pour les ragoûts à l'étouffée. Les potiers les plus âgés se souviennent avoir fabriqué dans leur jeunesse jusqu'à 13 types de récipients destinés à stocker ou à servir différents produits solides et liquides. Aujourd'hui, les pots décoratifs sont essentiellement des pots de fleurs vendus à des pépiniéristes basés dans l'ensemble des territoires palestiniens et en Israël. Les problèmes de transport et de fiscalité imposés au transit et à la vente rendent l'artisanat de moins en moins viable, malgré les commandes en hausse. La
la jeune génération est aussi plus individualiste et aspire à vivre en dehors du cercle familial. Pourtant, la poterie pourrait rester un artisanat d'avenir, tant par ses qualités fonctionnelles qui restent attractives, que par la place qu'elle occupe dans le patrimoine culturel d'Hébron. Is a material. It was in the past very essential in the society. You know, all the people use the pottery in their homes. But after the electricity and after the development, the pottery became something. Yani, it's not important like in the past. But it's still working, but not like the in the past. The pottery is a very ancient manufacture. I told you it's an art. If the person don't love how to make pottery, he will not learn it. Look, you can say it's a difficult job, and it's difficult to learn how to make the pottery. You know, the pottery is art more than skills. It's skills too, but it's art more than. So this job is limited in our family, Al-Fakhouri. And it takes our family in his name, takes the name of the pottery. The pottery is very benefit for the human being, especially if you put the water in the pottery, it will be alive water and fresh water. It's clean the water. The body of the pottery has little holes. Perhaps if anything in the water, it comes in these holes. So it's benefit, but not all the people know these things. But in these days, I think when the social media spread and speak about this, I feel that the people began to turn back to the pottery, especially to use it in the water. They feel that they see an artist making a piece, beautiful piece. Like this, I saw these things in their eyes when they are looking for me when I'm making a beautiful piece. They say, oh my God, it's very beautiful. Yes, I'm proud because it's my grandfather and grandfather work with this job. I'm proud of this.